J'aime bien, j'aime bien. Ah. Like. Je peux plus passer. Je vais rester comme ça toute ma vie. Je vous jure, je peux plus. Bon, je pense que vous êtes assez baladés, vous trois. Rappelez-moi pourquoi vous devez faire une peine de prison. J'ai volé du maquillage à ma mère. Pourquoi rigolez-vous? C'est drôle. Non, non, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et vous? J'ai volé des bonbons. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, là? Je pense que je vais vite vous rajouter une ou deux années. Et vous, là, le petit, vous êtes tout mignon, là, et vous devez faire de la prison. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai trop joué. Ah bah oui, faut pas trop jouer. Bon, vous avez fait de la prison, vous êtes échappé une fois. On vous a retrouvé, on vous a renfermé, vous êtes réchappé encore une autre fois. Là, je vous dis, on rigole plus. Ici, c'est la prison de haute sécurité la plus surveillée de France. Je vous dis, vous vous échapperez pas cette fois-ci. Vous allez bien purger votre peine. Bon, comme vous savez, vous allez rester ici en prison. Vous allez rester ici pour 24 heures. Après ces 24 heures, vous allez être transféré dans une prison un peu plus sympa qu'ici. Parce que ici, je vous dis, on rigole pas. Si vous êtes gentil, vous vous comportez bien, je peux être clément et je peux baisser votre peine. Si au contraire, vous vous comportez mal, je risque de l'alourdir. Alors, on se tourne. Et chacun dans la cellule. Pourquoi moi je suis toute seule dans une cellule alors qu'eux, ils sont ensemble? En fait, c'est simple. Mon supérieur m'a dit que toi, t'étais le cerveau du groupe. Donc on va t'isoler pour éviter que tu remanigances quelque chose ici. Donc, tu restes calmement et sagement dans cette cellule. Y'a pas de lit? Bah non, y'a pas de lit. Ici, c'est pas un hôtel de luxe. Vous êtes ici parce que vous vous êtes échappé de prison, donc on vous fait pas de cadeaux. Ça vous servira de leçon la prochaine fois. C'est compris? Oui. C'est compris? Oui. Eh bien. Bah, j'ai une chaise. J'ai même pas de partenaire. J'ai pas d'acolyte, en plus. Eux deux, ils sont ensemble, moi je suis toute seule. Je vais rester comme ça. Sinon, je peux faire des origamis avec du papier toilette. Moi, on est en train de préparer la clé pour ce soir. Ah, peut-être je peux utiliser du papier toilette pour faire un lit. J'ai même pas de téléphone, je suis toute seule. Je sais même pas faire de l'origami toute seule sans vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, t'as vu comment il est sévère, le gardien? Ah oui, j'ai peur de lui, donc je vais rester gentiment ici. Je vais mourir d'ennui. Pendant 24 heures, il n'y a même pas de toilette. J'espère qu'ils vont me laisser sortir. Ou peut-être que je vais essayer de faire un plan pour sortir. Hop, 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 hop. On se réveille, hop, hop, hop. Debout, debout. Debout, 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 debout. Allez, on se dépêche, oui. Debout, debout. Oui, chef. Rangez vos cellules, je veux que ça soit propre. C'est bon, c'est propre. Bon, tournez-vous les trois, mettez-vous dos face à moi, on va aller prendre le petit déjeuner et je vais vous mettre les menottes. Aïe aïe aïe, c'est trop serré. C'est bien serré, comme ça tu t'échapperas pas. Hein. Bon, toi t'es petit et mignon, je vais être gentil avec toi, je te mettrai pas les menottes. C'est injuste. Toi t'as l'air petit et mignon, mais tu l'es pas, je pense. Allez. Enfin, on va manger. Oui, mais comment on va manger avec les mains menottées derrière le dos? Mais il va nous déménoter, mais logique. Bon, je vous rapporte le petit déjeuner. Je l'ai cuisiné moi-même, donc vous avez intérêt à tous finir vos assiettes. Sinon, je vais me fâcher. Allez, ton assiette à toi. C'est quoi ça? Ceux qui voudront durable, je vous en donnerai. Je veux que l'assiette soit propre à la fin. On n'a pas de cuillère. Vous inquiétez pas, je vais leur ramener vos cuillères. Et... il fait quoi là? Il voit déjà lui. Laissez pour toi. Je vous rapproche les cuillères. Moi je vous propose un challenge. Le premier qui finit son assiette se verra une réduction de 30 minutes de peine. Oh yes. Et le menotte? Bah ça, je vous laisse comme ça moi. Allez hop. Je vais gagner. Aouh! J'ai une technique. Oh, j'ai bien mis mes mains. Quoi? Je suis souple. Non, c'est tricheuse. Ah, génial.
Ah mais là on n'est pas au restaurant. On va essayer ta technique. Je peux plus passer. Je vais rester comme ça toute ma vie. Je vous jure, je peux plus. Ah voilà. Les deux petits ont gagné hein. Donc voilà, moins 30 minutes pour vous deux. Vous allez rester finalement 23h30 en prison. Ah bah. Ça sert à rien que j'ai mangé votre bouillie de merde. Pardon. Délicieux, je vais finir. Finissez tous, sinon oui. Je rajoute 30 minutes de plus. Oh oui. 30 minutes pour toi, tu resteras 30 minutes. J'aime pas cette prison, ils m'ont rajouté en plus 30 minutes de peine. Moi non plus, Elena, j'aime pas cette prison. Et toi, Daniel? T'aimes pas? Il faut qu'on trouve un truc. Alors là, c'est sûr, on pourra pas sortir de cette prison. T'as vu qu'on me sent super sérieux. Il n'y a même pas de cadenas sur la cellule, pas de ventilation, rien qui coupe pour que j'ouvre la cellule. Donc on va bientôt être transféré dans une autre prison. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo où on s'échappe, n'hésitez pas à nous mettre 50 000 likes. Ça nous ferait plaisir, hein? Oui, on va se venger de ce gardien, on va s'enfuir. Bon, ici dans ma prison, tout le monde a des tatouages. Je vous propose encore un autre challenge. La meilleure ou le meilleur qui fera le tatouage aura aussi moins 30 minutes. Bon, ok. Vous allez voir, je gère les dessins, donc je vais gérer les tatouages. Faut d'abord enlever les menottes. Les menottes! Bon, je vais bien vous surveiller par contre, hein. Je suis en train de dessiner une tête de mort et j'écris Amelinakis. Daniel, tu dessines quoi? C'est pas encore fini. Moi, je suis en train de faire un papillon dans le cou, voilà. Un chiffon en roumain. Il y a des clones. Je me dessine des bracelets. Et ça y est, on se clone. Bon, c'est fini. Montrez-moi un peu vos tatouages là. Alors, j'aime bien. Ah. Like. Ok, intéressant. Petite étoile. Ça, c'est pour Thierry. Ah. T'as fait quelque chose ici, non? Toi, si j'ai fait des choses dans alors, là. C'est joli ça, j'aime bien. Là, un papillon. Numéro 6. Là, une fleur. Ok, pas mal. Et un petit cœur. Et toi, petit, montre-moi un peu. C'est un pistolet. C'est un pistolet. Ça, c'est quoi? C'est un sucré. Puis, chiclette. Ça, c'est ça, c'est un Daniel. Ça, c'est un fest de pistolet. Ça, c'est. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai déjà fait mon choix. T'es petit, mignon, mais c'est pas toi qui as les meilleurs tatouages. Je pense que j'aime beaucoup. Le tatouage de l'étoile, j'aime beaucoup ça. Je pense que je vais te dire gagnante. Balle. 30 minutes, ça te fera quand même 24 heures, comme si je t'avais ajouté. Donc, voilà. Ah ouais, je reste 24 heures quand même parce qu'il m'a rajouté 30 minutes. Et là, il vient juste de me les enlever. Mais je reste quand même 24 heures, mais je suis contente. Vous avez vu le talent de dessin. Ça m'a bien aidé pour faire des beaux tatouages. Deuxième fois, allez. Un, deux. Oh, merde, merci, j'ai gagné. Allez, ça. Ah, tu es si, hein. Non, pas du tout. Et toi, alors, tu fais quoi? Allez. Oh. Oh là là, c'est quoi ce bordel, là? Rien. On fait du sport. Oh, toi, là, le petit. Bon. On fait pas de bruit, ici. Ici, c'est calme. Le 3 là, je sais pas comment je vais devoir vous appeler. Ici, chaque prisonnier a un surnom. Donc, trouvez-vous un surnom. Parce que hors de question que je vous appelle par votre prénom ou nom. Amélia. Petit.
petit pois. Non. Non, Daniel, on va l'appeler petit pouce. Non, mini pouce. Voilà, mini. Non, non, patate. Non, pas patate. C'est bon, Elina, tes patates. Mais non, c'était pour Daniel. Alors, Daniel, t'es mini pouce. Et moi. Non, moi, c'est patate. Non, t'es mini pouce. Bon, Daniel ne veut pas le surnom que je lui ai donné, donc il veut être patate. À moi de trouver un autre surnom pour moi. Qu'est-ce que je peux trouver? Allez, tu te rappelles Rod. Mais prends Rod. Rod. Je sais pas comment je m'appelle le surnom du groupe. Allez, Domina, Domina, Domina. Si, ça t'a bien vu, c'est le surnom du groupe. Alors, Daniel, il s'appelle Dan. Amélia, elle s'appelle Potatoes. Et moi, je m'appelle Android. Je sais pas pourquoi c'est Amel qui a décidé Android. Pourquoi Amel? Parce que t'es... Ouh. Ah, ah, tu vas voir après la prison. Tu vas voir. Gardien. Ah, c'est là. On a trouvé les surnoms. Je vous écoute. Je m'appelle Android. Potatoes. Et le dernier, le petit? Dan. Bon, Android, Dan et Potatoes. Il n'y a rien de drôle, oh. C'est si bon. C'est du respect. C'est bon. Allez, c'est l'heure de manger. C'est une soupe à la citrouille, Elina. Et on a du lait et du riz sous ça. C'est quoi ça? C'est chaud? Bien sûr. Il faut fermer ça. Non. Là, moi, ça. J'adore. Voilà. Il y a des rillettes. T'aimes bien? Folasse. Il y a c'est pas bon aussi. La nourriture en prison. Bizarre. Et donc, je regarde qu'est-ce qu'ils mélangent. Et c'est quoi ça comme boisson? Du lait, je pense que c'est avec ça. Non, me dis pas que c'est pas du lait. C'est pas du lait. C'est du lait de coco. Bah, je crois que c'est le plus bon parce que ça. Bon, on n'a pas le choix sinon on meurt de faim. Bon appétit. Bon appétit. Il y a l'air quoi, bon, Android, Potato, c'est Dan, le repas est terminé. Oh, on n'a pas fini. Dites merci. Merci. Et dans les cellules, tout de suite. Et après. Tout de suite? Non, on prend rien. Bon, allez, t'es petit, je te laisse. Vous, vous prenez rien, vous. Ok. On retourne. Ouais, t'es bien, t'es de le cacher là. Amélia, t'as encore faim? Oh oui. Déjà, on va faire n'importe quoi. Parce qu'on n'en a pas mangé assez. Viens, Amélia, on fait une grève. On lance partout du papier toilette. Ok. Le gardien, il est chiant. Il nous aime pas. Il nous donne pas assez à manger. Il donne n'importe quoi à manger. Donc, on va faire la grève. Pour la liberté! La liberté! La liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. C'est quoi ce raffut là? Qui a fait tout ce bordel? Voilà. Il a. Pas du tout. C'est Android. Non. Bon, déjà plus 30 minutes et tu vas sortir me nettoyer tout ça. Oui. Vous avez même pas de preuves. Les deux ont dit que c'était toi, donc c'est toi. Allez. Et eux, regardez. Ils non. Ont... Regardez. Ah, pas, regardez. Il y a encore 30 minutes alors. Okay. C'est bien. Mais c'est bon, il est orange. Voici ton loisir. Ah, oh, ça c'est votre faute aussi là. Tenez. C'est pas de la poubelle. C'est vous. Vous êtes la poubelle.
Potatoes et Den, vous avez toujours besoin de moi pour sortir de la prison. Donc vous allez gentiment garder ces papiers toilettes chez vous. Et non, je vais être à la tienne. Tenez. Allez, c'est bon, tu t'es rangé? Oui. Je retourne dans ta cellule. Monte là. Abonnez-vous à notre chaîne et mettez la cloche pour avoir des notifications concernant nos vidéos et mettez des likes pour nous soutenir. S'il vous plaît. Oui. Daniel, laisse-moi. Elena, tu fais quoi? Bah, comme d'hab, je fais rien. Ah non, c'est et vous cas. Et vous? Daniel m'a fait des massages. Et là, on sait pas avec quoi s'occuper. Bah, je pense que bientôt on va dormir, non? Je sais même pas, il est quelle heure? On va se reposer et j'ai une technique pour nous deux. Parce qu'on est deux et il y a deux couvertures. Alors, ça va, madame. Bon. On se réveille. Il y a une cellule à côté, apparemment ils vous connaissent, c'est des abonnés. Comme c'est votre premier soir ici, et le dernier normalement si tout se passe bien, elles ont décidé de vous offrir du pain. Parce qu'ils savent que, voilà, c'est compliqué ici. Donc ça c'est pour toi Den. Merci. Pour toi Potatoes. Et évidemment, pas faire de jaloux pour Android. Merci. Et je veux pas qu'il y ait de miettes par terre là, on mange proprement. Ça caille à sa pisque. Daniel, t'as un papier? Vous avez trouvé quoi? Il est Chupa Chups. Qu'est-ce qu'il y a? Chupa Chups. Elle veut quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mot. Gardez bien cette clé, elle vous servira. J'ouvre. C'est qui qui a la clé? C'est qui qui a la clé? C'est toi. Je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Si c'est moi. Oh, non, c'est pas moi qui l'a. Regarde Elena ce que j'ai. Oh, calme-le bien, cache-le, cache-le, cache-le. C'est pour qu'on arrive à s'enfuir. Et moi, attends. Peut-être que c'est toi qui as la clé. Il y a le trafic. Amélia, c'est vraiment la clé. Mais il n'y a pas de cadenas. Je vais la cacher avant qu'il y ait. C'est l'heure d'inspection, l'inspection des caméras. Je vous donne 5 minutes pour ranger et tout. Je veux que la cellule soit parfaite. Ça, je vais le casser. Je vais le cacher ici. Là. J'espère qu'il va pas chercher à cet endroit avec le papier PQ. Allez. Pas comme ça, Daniel. Pas comme ça, c'est comme ça. Allez. Et la lettre ici. Vous avez rangé alors? Oui. Bon, je vais vérifier ça. Bon, ça a l'air propre, hein, je vois rien de suspect. Nickel. On va regarder à côté. C'est plutôt propre. Bon, je vais pas aller regarder le papier toilette, je pense qu'il y a rien dedans. Bon, je suis content d'eux. Je pensais qu'ils allaient être moins sages. Bon, vous avez faim? Oui. Vous avez italien? Oui. Ce soir, vous avez de la chance. On va manger italien. Ce sera risotto. Oh, trop bien. On y va. C'est quoi, ça? C'est du risotto? D'accord. Oh, pas de l'italien ça. En plus aux champignons. Ah, t'aimes pas les champignons? À cause de cette nourriture, j'ai déjà mal au ventre. Ah, mais c'est encore du lait de coco. Bon, on a que à boire ça et à manger, tu vois. Ouais. Moi, je mange pas ça. C'est bon, je fais plus jamais de bêtises de toute ma vie parce que j'ai pas envie de retourner en prison. Moi aussi. Et on vous souhaite que vous aussi, vous soyez sages. Allez, il vous reste 5 minutes. Je vous laisse terminer de manger et après c'est dodo, extinction des feux. On parle pas, on dort. D'accord, vous pouvez déjà nous ramener en cellule. On mange pas. Bon, bah allez-y. Attends, dis-moi. Ouais, dis ça, fallait au moins manger du pain. Allez, on y va. On va faire comme ça pour lui dire. Moi, on va un confort. Oh, comment on peut dormir s'il n'y a rien?
pour dormir comme ça. Là, ça fait question et là, ça fait une couverture. Allez, bonne nuit et à demain. Soyez sages, je veux pas de bruit pendant la nuit. Ben. Faites de beaux rêves. Merci. Silence.